Tu vas dire à ton frère, bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus, c'est qui donne la victoire. C'est Jésus, c'est qui donne la victoire. C'est Jésus, j'ai dit c'est qui donne la victoire. C'est Jésus, c'est qui donne le succès. Avec lui, il n'y a pas poteau. Avec lui, avec lui, il n'y a pas poteau. Avec lui, avec lui, il n'y a pas poteau. Avec lui, il n'y a pas poteau. Alléluia. On est déjà largement avancé dans le temps. Tu vas étendre ta main vers ma personne et tu vas dire à Dieu qu'il m'envoie son esprit pour prendre le contrôle de mon être entier au nom puissant de Jésus. Prie pour moi au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, je te prie maintenant, moi qui suis ton serviteur, à prendre le contrôle de tout mon être entier, Seigneur, où est ma langue, où est ma bouche, Seigneur, afin de proclamer rien que la vérité, Seigneur, que chaque parole qui va sortir de ma bouche soit inspirée par l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de faire reculer les œuvres des ténèbres et que ta lumière agisse maintenant puissamment dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas imposer ta main sur ton cœur, ta main droite, et tu vas répéter la prière avec moi. Jésus-Christ de Nazareth, dans ton sang, je plonge mon cœur, je m'abandonne entièrement à toi. C'est pourquoi, Seigneur, daigne m'accorder ta sagesse, ton intelligence, pour comprendre ta parole en ce jour, afin aussi de la mettre en pratique au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-moi. Visite mon cœur, donne-moi un cœur sage à travers le message prêché en ce jour. Et que chaque bénédiction liée à chaque mot, à chaque verbe, à chaque paragraphe, à chaque verset et à chaque verset que nous allons lire en ce jour, soit bénédiction sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Notre message de ce jour. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Nous sommes tous des chrétiens et nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les gens nous ont donné le nom chrétien. Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Et il a parlé par la bouche des prophètes. Il a parlé par la bouche de ses serviteurs. Et il a annoncé qu'il y a son serviteur qui va venir. Que lui-même, il va prendre la forme humaine et il va venir sur la terre pour venir parler aux hommes, pour venir sauver tous les hommes de la terre dans le nom de Jésus. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. On va vérifier cela en Ésaïe 7, verset 14. Parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Et la vierge deviendra enceinte, elle va donner naissance à un enfant qu'on va appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Alléluia.
Donc Dieu est en train de dire qu'il va venir, mais quand il va venir, il va pas venir d'une manière ordinaire, de la même manière que les hommes naissent de façon naturelle. Il va venir à travers une femme qui ne connaît pas encore d'homme. Et on va donner à l'enfant le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Alléluia. Il y a aussi Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Si quelqu'un trouve, il peut lire le passage. Amen. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Donc, ils étaient en train de dire, lui qui va venir, il va venir dans un lieu où même les gens négligent, dans un petit village. Alléluia. Il y a des gens même qui pensent que dans ce lieu-là, rien de bon ne peut sortir. Dieu dit, c'est là-bas, il a choisi pour faire venir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare que cette parole s'est accomplie. Il a promis de faire venir son serviteur. Et cette promesse a été accomplie. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu par le ventre de Marie qui était vierge. Alléluia. Selon Ésaïe 7, verset 14. Il dit, quand il va venir, c'est dans la... une femme vierge. Et cette parole s'est accomplie. Quand il est arrivé, il a annoncé sa parole à travers son ange à Marie. Et la Bible déclare que cette vierge, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à l'enfant qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, il est venu. Il a vécu sur la terre. Il a enseigné les paroles. Il a enseigné les choses du royaume des cieux. Comment nous devons faire pour aller au paradis? Comment nous devons faire pour être sauvés? C'est pourquoi il a dit que lui, il est le chemin par lequel nous devons passer pour être sauvés. Et il n'y a pas un autre chemin par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Donc si c'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas un autre chemin par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Et cette parole s'est accomplie. Quand il est venu, il a vécu parmi nous. Quand il a fini d'enseigner ce qu'il devait enseigner, la Bible déclare qu'ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, il est mort. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Il ne l'a pas laissé tomber parce qu'il avait déjà dit que Dieu, il devait venir sur la terre et il va se livrer afin de sauver le péché, afin de sauver tous ceux qui ne croient pas, tous ceux même qui ne croient plus en Dieu, les pécheurs, les braqueurs, les voleurs, les prostituées, il devait venir les sauver. Mais comment il devait les sauver? Il fallait que Dieu, quand il vienne, lui-même, il meure de façon humaine. Nous savons que Dieu, il est divin et il ne peut pas mourir. Mais pour mourir, il devait prendre un corps humain. Alléluia. Et dans ce corps-là, il s'incarnait à travers la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie. Et lorsqu'il est mort, la Bible déclare que Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Il a délivré, il a libéré le Seigneur Jésus en le délivrant des liens de la mort. Alléluia. Lisons notre texte de base en Actes 2, verset 1 au verset 47. Actes 2, verset 1 au verset 47. Actes 2, verset 1 au verset 47. Amen. Versets 1 à 47. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pathès, Médès, Élamite,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, et le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus d'Europe, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Verset 26, aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car Dieu n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oh frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Verset 37 pour terminer. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 31, « Ceux qu'ils acceptaient, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42,
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Acclamons encore puissamment cette parole. Ce message, il est vraiment très intéressant et en même temps puissant. Alléluia. Parce qu'il incarne beaucoup de mystères. Alléluia. Et c'était la première prédication après que Jésus fut monté au ciel. La Bible déclare qu'après que Jésus soit ressuscité, il vécut 40 jours. Alléluia. Quand il est mort, ils l'ont tué. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort, il est ressuscité. Et quand il fut ressuscité, la Bible déclare qu'il a vécu encore avec ses disciples. Il mangeait avec eux, il se promenait avec eux, il les enseignait encore la parole. Alléluia. Et quand il a fini les 40 jours, la Bible déclare qu'il est remonté au ciel. Et avant de monter, la Bible déclare en Actes 1, verset 8, quand il leur a dit, il ne faut pas, ils vont sortir. Ne sortez pas tant que la puissance du Saint-Esprit. On va lire ce passage, je vais lire rapidement. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc souvent d'autres pensent que c'est maintenant l'Esprit de Dieu est venu. Il dit survenant sur vous. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Alléluia. Parce que les apôtres avaient déjà l'Esprit de Dieu. Le Seigneur leur avait déjà communiqué l'Esprit de Dieu. Mais là, dans le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Donc les disciples devaient attendre cette puissance-là. Alléluia. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc Dieu dit, ils seront ses témoins partout dans le monde entier. Mais avant d'aller témoigner Jésus-Christ Nazareth, il y a quelque chose que Dieu a promis. C'était la puissance. Parce que tu te lèves tout à l'heure et puis tu t'en vas proclamer le nom de Jésus. Et puis on vient avec un cas, on dit, faut prier pour telle personne. Tu n'as pas cette puissance, tu ne pourras pas faire quelque chose. Alléluia. Donc Jésus-Christ, avant de partir au ciel, il leur a promis cette puissance-là. Et il a dit, ne faites rien d'abord. Tant que ce que le Père a promis, il n'a pas envoyé sur vous, ne faites rien d'abord. Alléluia. Donc quand Jésus a fini vers les 40 jours, il est monté au ciel. La Bible déclare que les disciples se sont rassemblés. Ils sont allés dans un lieu, dans la chambre haute. Ils étaient aux environs de 120 personnes. Alléluia. Aux environs de 120 personnes, c'est-à-dire les 12 apôtres, plus quelques personnes qui les ont suivis, y compris la mère et les frères de Jésus-Christ Nazareth. Ils étaient ensemble dans cette chambre-là. Et ils priaient. La Bible déclare qu'ils ont fait 10 jours. Quand Jésus est parti, quand il est parti, 40 jours. Ils ont fait 10 jours, étant à jeûne, dans la prière. Alléluia. Donc, tu vois, ce n'est pas maintenant que les jeunes. Je voudrais aussi en profiter pour exhorter. À partir du 15, on a jeûne de 15 jours. Alléluia. 10 jours. À partir du 15, on a jeûne de 10 jours. Alléluia. Donc, il faut prendre vraiment ce temps de jeûne à cœur. La Bible déclare que quand ils étaient réunis dans la chambre haute, ils ont fini de faire les 10 jours de jeûne et de prière. Et le 10e jour, c'est tombé si un jour, pas un jour comme les autres, c'était le jour même de la Pentecôte. Et il y a quelque chose qui va se produire. Alléluia. Il y a un miracle qui va se produire. Je vais lire rapidement. Il dit, verset 2 de Acte 2. Il dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'inhabituel qui s'est produit ce jour-là. Et la Bible déclare que cette langue, ces différentes langues s'est posée sur chacun d'entre eux.
aux environs des 120 personnes, toutes les personnes, chacun a reçu la puissance du Saint-Esprit. De telle enseigne que d'autres personnes ont commencé à parler des langues. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Ils ont commencé à dire le nom de Jésus. D'autres commençaient à adorer Jésus en arabe. D'autres ont commencé à l'adorer en chinois, en hébreu. D'autres parlaient même araméen. Alléluia. Cette puissance est venue sur eux. Auparavant, ils ne parlaient pas ces langues-là. Mais le jour de la Pentecôte, le jour que cette puissance est descendue sur eux, ils ont commencé à parler ces différentes langues-là. Alléluia. Et ça a commencé à alerter les personnes dans la ville. La Bible déclare que les gens sont quittés. Même les Arabes sont venus. Les Chinois sont venus. Tout le monde était venu ce jour-là pour venir fêter la Pentecôte. Et lorsqu'ils ont entendu ces bruits-là, ça courait et ça informait chacun. Ils ont commencé à se dépêcher et venir dans le lieu-là pour savoir ce qui se passait. Et là, ils sont confondus. Par exemple, j'imagine que tu es baoulé et tu arrives un jour pour aller faire une fête en Chine. Et puis tu vois, tous les Chinois sont en train de parler baoulé. Bien-aimé, ça provoquait l'étonnement. Ils étaient tous stupéfaits parce que c'était une puissance qui est descendue sur eux. Alléluia. Donc, c'est seul, ils ne comprenaient pas. Mais comme ils les voyaient, ils sont un peu bizarres. Ils ne comprenaient pas. D'autres disent non, ceux-là, c'est Château de France. D'autres disent non, c'est Kadhafi. D'autres disent non, ceux-là, c'est noirs, ils ont pris au-delà. Sinon, ils ne sont pas trop normaux. Ils sont pas normaux. Alléluia. Donc tu vois, la puissance du Saint-Esprit les a transformés. Et sans que, tant que cette puissance n'était pas descendue sur eux, ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Alléluia. Et la Bible déclare que Pierre, lui qui remplaçait Jésus, il était l'apôtre qui suivait Jésus. Parce que quand Jésus partait, il a confié l'église à Pierre. C'est comme s'il est le responsable maintenant de l'église étant sur la terre. Il s'est levé, il a appelé tous les 11 autres, il dit venez. Et il s'est levé, il s'est tenu devant toute l'assemblée. Il a commencé à prêcher en les rappelant ce qui devait arriver. Parce que la Bible déclare que Dieu, il avait promis que son esprit va venir. Mais comment l'esprit devait venir? Il a fallu que Jésus-Christ mourait sur la croix et qu'il soit ressuscité. Et après qu'il soit ressuscité, la puissance du Saint-Esprit devait venir. Et que c'est ces choses-là qui sont en train de s'accomplir. Alléluia. Et que cette puissance-là, ce n'est pas parce qu'ils ont bu Château de France. C'est pas parce qu'ils ont bu des stupéfiants, alléluia, mais c'est la puissance de Dieu, parce que Jésus-Christ, on va lire, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles, verset 22, hein, de acte 2, homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui, Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, des prodiges, des signes, qui a opéré au milieu de vous, comme vous le savez, vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alléluia. Donc il était en train de dire quoi? Que Jésus-Christ de Nazareth qui est là. C'était le plan de Dieu pour qu'il mourait à la croix. C'était le plan de Dieu pour venir sauver les hommes. Mais ils sont venus l'arrêter sans même savoir que c'est Dieu. La promesse qu'il a faite à Ésaïe 7, verset 14, c'est cette promesse-là qui était accomplie en ce moment-là. Alléluia. Et il n'avait pas cette sagesse-là. Il dit, c'est cet homme-là. Vous l'avez négligé. Vous n'avez pas cru en lui. Vous ne saviez pas que c'était votre sauveur même qui était là. Vous l'avez attrapé. Vous l'avez livré dans la main des païens, dans la main des impies. Et c'est ce Jésus-Christ de Nazareth-là. C'est celui-là que nous prêchons. C'est lui, quand il est mort, il est ressuscité. Et c'est sa puissance qui est descendue sur nous. Donc quand tu nous vois, on est saoulé. Quand tu vois qu'on est gnénin, c'est pas nous qui sommes gnénin, mais c'est la puissance de Dieu qui nous a rendu taïko. Alléluia. Donc c'est cette puissance là qui est descendue sur ces apôtres là. Donc il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Il dit la préscience de Dieu, ce qui veut dire Dieu avait déjà prévu ça en avance. Il savait que c'est une prévision de Dieu. Il avait déjà préparé ces choses-là. Et ça devait arriver telles qu'elles sont arrivées. Alléluia. Selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les hommes impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Dis avec moi, il n'était pas possible. Il n'était pas possible que la terre retienne Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre dit ça? Il dit il n'était pas possible que la terre retienne Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont mis Jésus-Christ dans le sol. Nous, Dieu nous a retirés de la poussière. Nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il n'a jamais commis de péché. Lorsqu'il a été enterré, la Bible déclare qu'il est rentré dans le séjour des morts. Et il allait prendre les clés de la vie. Il a dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon?
Alléluia. Même quand la mort, le Seigneur des morts a vu Jésus dans son sein, il a compris qu'il y a quelque chose qui est arrivé en moi. C'est pas normal. Et le Seigneur des morts a reculé devant Jésus. Il allait encore devant la mort. Il a fait lier la mort. Il a attrapé, il a lié la mort. Il a vaincu encore la mort là. Et cette fois-ci, les clés de la séjour, les clés de la vie, il est parti maintenant derrière Lucifer en personne. La Bible déclare qu'il a arraché les clés de la vie dans la main de Jésus. Auparavant, c'est le diable qui avait le pouvoir de te tuer. Auparavant, il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Mais actuellement, la clé de la vie se trouve dans la main de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui peut décider. C'est quand tu vas mourir. C'est lui qui peut décider. C'est quand on va t'enterrer. Alléluia. Et cela n'existait pas avant. La preuve, la Bible déclare que lorsque Dieu est en train de faire la réunion avec ses anges, le diable est venu accuser Job. Mais Dieu a dit à quoi à Job? Il dit, va, faut faire ce que tu as dit, mais ne prends pas sa vie. Ça veut dire que le diable avait le pouvoir de prendre la vie de Job là. Alléluia. Mais cette fois-ci, les clés de la vie sont dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en lui se trouve la vie, et Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Alléluia. Donc, il a vaincu la mort, il a vaincu le souffle des morts, et il a pris les clés de la vie avec lui. Alléluia. Bon, on va continuer à lire. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la puissance de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Et là, il va commencer à citer certains passages de la Bible. Il parle du roi David. Il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. David est en train de prophétiser comme ça. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie, comme on appelle, la corruption. Alléluia. Et là, l'apôtre Pierre va dire quoi? Ici, là, David, ce que David était en train de dire, c'est pas de lui-même il était en train de parler. Parce que aujourd'hui, si c'était de David qui parlait, David n'allait pas être dans le tombeau. Mais aujourd'hui, David, son tombeau est là. Nous sommes tous témoins. Et on sait où le tombeau de David se trouve. Mais ce que David était en train de dire, ce n'est pas de lui-même qu'il parlait. Parce que Dieu a promis au roi David qu'il y a quelqu'un qui va venir, l'un de tes descendants, et sa renommée sera partout. Cet homme-là, il va régner jusqu'à perpétuité. Et il n'y a pas quelqu'un encore qui va le remplacer. Alléluia. Dieu a promis ce siège à David. Il a dit que personne ne va remplacer ce dernier. Et c'est cette promesse-là, c'est de ce Jésus-là que David parlait. Et il dit ici quoi? Comme il était prophète, tu vois, il dit ici, David était prophète, le verset 30. Bon, on va aller au verset 9. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous. Donc, ça veut dire quoi? Quand David dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Or, nous savons que David, il est encore dans le tombeau là-bas. Donc, cette prophétie-là, ça ne concernait pas David. Ça parlait de quelqu'un d'autre. Alléluia. Comme il était prophète, donc, ceux qui pensent que David était roi seulement, voilà ça, le verset 30. Il dit, comme il était David et qu'il savait que Dieu l'avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Alléluia. Donc Pierre commence à les détailler en les expliquant maintenant les choses qui ont été écrites auparavant. Alléluia. Donc ce sont des choses que Dieu même avait déjà prévues et ce sont ces choses-là qui se sont réalisées. Alléluia. Et quand il a commencé à prêcher, commencé à annoncer l'évangile, la Bible déclare que d'autres ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Ils ont commencé à avoir peur. Ils disent, mais dans ce cas, homme frère, que devons-nous faire? Alléluia. Que devons-nous faire? Il dit que chacun se repente et qu'il se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en cela, vous serez sauvés. La Bible déclare en ce moment, il y a au moins 3000 personnes qui ont été sauvées en ce jour-là. 3000 personnes. Auparavant, même Jésus-Christ de Nazareth, il était en train de prêcher.
Il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient, mais ils n'ont pas dit que Jésus a prêché et 3000 personnes ont cru en lui. La preuve, quand Jésus prêchait, même d'autres prennent qu'à lui pour le lapider. Mais là, quand Pierre, il a reçu la puissance du Saint-Esprit, quand il a commencé à annoncer l'évangile, il a commencé à prêcher que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, qu'il est ressuscité, en même temps, la crainte de Dieu est venue en eux. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient mal fait de crucifier Jésus. Ils l'ont négligé, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Alléluia. Quand il a commencé à expliquer cela, la crainte de Dieu est venue en eux. Ils ont commencé à se repentir. Et 3000 personnes ont donné leur vie ce jour-là à Jésus. Alléluia. Ceux-mêmes qui disaient que ces cadavres ont bu, eux-mêmes sont arrêtés. Pierre fait quoi? Ah, ça l'a pris. Ça l'a pris. Ça l'a pris. Il dit là, je vais boire mon Jésus. Je vais boire mon Jésus. Alléluia. Eux-mêmes là, ils sont plus gnanés même que les apôtres. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit transforme les personnes. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que Pierre se lève, il parle aux autorités et il dit, jugez-en s'il est bon de vous obéir ou bien d'obéir à Dieu. Auparavant, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a fui. Mais lorsqu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il s'est tenu devant les rois, il s'est tenu devant les magistrats, devant les autorités. Il dit, moi, je préfère mourir que de vous obéir. Jamais, jamais, je vais faire ce qui est contre la parole que le Seigneur Jésus m'a annoncée en ce jour. Alléluia. Ils l'ont attrapé. Ils sont allés les mettre en prison. Ils ont tué d'autres. Mais il dit, nous, jamais de la vie, on va abandonner le Seigneur Jésus. On va toujours proclamer l'évangile. On va toujours proclamer la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand nous lisons ce passage de Actes des Apôtres 2, le chapitre 2, du verset 1 au verset 47, nous constatons trois faits majeurs. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, il y a trois faits majeurs que nous constatons. Premier fait, une opération surnaturelle. Une opération surnaturelle qui se fait en Actes 2, verset 2 et 3. Actes 2, verset 2 et 3. Quelle était cette opération surnaturelle qui s'est produite ce jour-là? Alléluia. Il dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. C'était une opération surnaturelle. Ça dépasse l'entendement. Alléluia. Il y a des choses naturelles et il y a des choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, ça provoque toujours ce qui est étonnant. Ça provoque toujours la stupéfaction de ceux qui ont vu la chose ou bien qui ont entendu la chose. On dit hier, il y avait quelqu'un qui son pied était coupé. Toi-même, tu l'as vu. Et puis le lendemain, tu viens, tu vois, pied là est sorti. Alléluia. C'est une opération surnaturelle. Parce que de façon naturelle, les médecins vont dire non, il va mourir comme ça. Mais de façon surnaturelle, tu vois un serviteur de Dieu, il vient, il proclame la puissance et le pied pousse. Alléluia. Donc là, c'était une opération surnaturelle que Dieu a opéré ce jour-là. Alléluia. Et ça a provoqué l'étonnement des uns et des autres. Et le deuxième fait majeur, c'est la prédication de Pierre, de Actes 2, verset 14 au verset 39. Alléluia. Donc Pierre a commencé par quoi? À les rappeler. Il les a rappelé ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu. Il les a enseignés pour dire non à ce que vous faites là. C'est parce que vous étiez ignorant. Mais actuellement, c'est ce Jésus-là. Il vous tend la main. Vous devez l'accepter. Repentez-vous. Venez sur le droit chemin. Et Dieu va vous sauver. Pour sauver votre âme, donnez votre vie à ce Jésus-là. Il a commencé à prêcher cette parole-là. Et 3000 personnes se sont converties en ce jour-là. Cette prédication de Pierre avait deux volets. À savoir, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Donc quand Pierre prêchait, il a prêché Jésus-Christ est mort. Mais quand il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité. Alléluia. Et il vit pour des siècles et des siècles. Et le deuxième volet, quand il a fini d'annoncer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il a convié aussi les gens à la repentance. C'est-à-dire annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité, qui est le premier volet. Et le deuxième, annoncer aussi la repentance. Parce que quand tu as fini d'annoncer, quand ils ont cru, ils doivent faire quoi pour être sauvés?
Il faut qu'ils se repentent de leur mauvaise voie. Alléluia. Donc ils se sont repentis. Donc la somme de ces deux faits, la somme de ces deux faits majeurs nous donne ce troisième fait. La somme de ces deux faits nous donne ce troisième fait majeur. La conversion, troisième fait, la conversion d'environ 3000 âmes. Donc, c'est pour exhorter aussi certaines personnes à travers ce passage. Quand on va évangéliser, quand on va annoncer Jésus-Christ dans la rue, on fait comme selon l'apôtre Pierre l'a fait. Alléluia. On ne va pas pour dire Jésus-Christ, non, il est Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Jésus donne ta vie à Jésus seulement. Il faut annoncer avec puissance que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il vit. Alléluia. C'est ce que Pierre il a fait. Et quand tu finis de dire ça aussi, tu peux aussi annoncer la repentance. Parce que quand tu as fini de dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, quand ils ont fini de croire en cela, il faut aussi leur dire qu'il doit changer de vie. Parce que tu ne peux pas être en Jésus, et puis toi tu finis de faire le 31 décembre, tu t'en vas dans Maquis. Alléluia. Tu ne peux pas finir de faire le 31 décembre, pour, tu finis de faire aujourd'hui dimanche, quand tu sors, tu as le plan de partir boire encore dans Maquis. Tu as le plan d'aller te vendre encore, te prostituer. Alléluia. Donc quand on dit que tu es chrétien, quand on dit que tu es converti, ça ne veut pas dire que non, c'est parce que j'ai une grande Bible, je marche par là à l'église bien-aimée. Accepter Jésus, c'est de l'accepter lui et sa parole. C'est de se repentir et de le suivre. Alléluia. Donc tant que tu n'es pas décidé à suivre Jésus, pardon, il faut continuer dans ce que tu es. Pour ne pas venir saluer le nom de l'église, ils vont dire que tu es chrétien et puis il y a ton comportement. Il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, même quand ils te voient là, eux-mêmes, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce que tu n'as pas décidé de suivre vraiment le Seigneur. Alléluia. Quand Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est venu sur la terre, c'est pas pour appeler les gens qui sont orgueilleux. Il dit, c'est ceux qui sont humbles de cœur. C'est pourquoi il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Donc, si tu n'es pas prêt à changer, pardon, au lieu de venir saluer le nom de l'église, continue. Il dit à ceux qui sont fatigués et chargés, ils n'ont qu'à venir à lui, il va leur donner le repos. Tu es fatigué de prostituer, non, viens à Jésus. Tu es fatigué de la drogue, l'alcool, tu ne sais pas comment tu vas faire, viens à Jésus. Alléluia. C'est en cela qu'il va te changer. Parce que si toi-même ton cœur n'est pas décidé à changer, même ils vont beau prêcher, ils vont beau t'annoncer Jésus, tu ne pourras jamais changer. Tu as fait 100 ans à l'église, ta condition est la même. Tu ne changes pas, tu n'évolues pas, tu es toujours la même chose. Alléluia. Si tu ne fais pas attention même, tu seras une occasion de chute pour beaucoup de personnes dans le corps du Christ. Même des pasteurs, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont convertis. Alléluia. Même tu es là et puis toi-même, l'enseignement que tu es en train de donner à ceux qui sont devant toi, c'est contre la parole de Dieu. Ça là, ce n'est pas être converti ça. Alléluia. Donc, craignons Dieu. C'est ça Pierre est en train de les enseigner. Il dit que chacun d'entre vous se repente et qu'il se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y en a qui disent non, on ne baptise pas au nom de Jésus. Il y en a un autre qui dit non, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus-Christ, il est qui? Quand Jésus parlait au Pierre, il a dit que chacun d'entre vous se fasse baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand Pierre venait, Pierre savait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était Jésus. C'est pourquoi il a dit ici que chacun d'entre vous se repente et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, où est la différence? Le Père, c'est qui? Le Fils, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Donc, ayons la crainte de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, on a fini de faire pour Shalom 2024. Quand tu vas entendre parler encore, quand on est en train d'inscrire les gens pour aller les baptiser, pardon, pardon. La Bible déclare que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc toute ta page que tu fais, les cascades que tu fais dans le louange là, c'est cadeau. C'est pas ça qui va te sauver. Si tu n'es pas baptisé d'eau et que l'esprit de Dieu n'est pas en toi, même si tu veux, les gens n'ont qu'à t'envier à la maison cadeau. Toujours ta Bible, tu te sapes, arrivé là-bas, il ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Voilà, donc que chacun d'entre vous se convertisse réellement. Il dit 3000 âmes ont été converties ce jour-là. Parce qu'ils ont eu la crainte de Dieu. Donc c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui convertit. Et quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Alléluia.
Il y a un voile. C'est comme spirituellement, c'est juste ta figure. Quand tu enseignes la parole de Dieu, tu dis, tu vois, mais tu ne comprends pas. Mais le jour que tu comprends la parole de Dieu, le jour que ton cœur se convertit, quand on parle que Jésus-Christ il est Dieu, c'est là que tu comprends tout. Alléluia. Donc, croyons en Dieu. Repentons-nous. Croyons en Jésus-Christ Nazareth. Quand d'autres personnes disent, non, Jésus-Christ, alléluia. Il y a vous dit quelque chose. Le plan du diable, c'est de vous emmener à douter de Jésus-Christ Nazareth. Pourquoi je dis ça? Il y a une religion ici, sur la terre, qui dit que Jésus-Christ n'est pas mort et que Dieu ne l'a pas tué et que c'est quelqu'un d'autre. Il a pris, il a remplacé. Toi-même, quand tu entends ce genre de choses, ils ont chié dans les têtes. Alléluia. Dieu dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, le plan du diable, il ne veut pas que tu sois sauvé. Il t'amène à douter que Jésus-Christ n'est pas mort ressuscité. Donc, vous comprenez, non? Ce sont des démons. Comme pas d'antéchrist là. Ça, c'est... Ils sont... Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Le diable, il étudie la Bible qu'elle a. Si nous ne lisons pas cette Bible, les gens vont nous détourner. Parce qu'il va venir te dire des choses selon la philosophie humaine. Et quand tu vas croire en ça, tu seras égaré. Alléluia. Mais quand tu lis ta parole, il sait qu'il te dit Jésus n'est pas mort ressuscité. Tu dis, moi ma Bible dit que si je crois qu'il est mort ressuscité, même si je crois en son nom, si j'ai une maladie quelconque, je prie au nom de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Mais tu ne crois pas en la résurrection de Jésus. Tu ne crois même pas au miracle. On parle, tu dis non, miracle à son temps des apôtres. Bien aimé, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare que quand ils ont eu la crainte de Dieu, quand ils ont cru en Jésus-Christ Nazareth, la crainte de Dieu est venue dans leur cœur. Et il y a beaucoup de miracles qui s'opéraient. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a les miracles qui s'opèrent. Et chez nous ici, en Côte d'Ivoire, dans les pays francophones, les gens viennent à l'église. Quand ils disent, ayez la crainte de Dieu, ils disent non, ça, nous, on n'est pas pasteur. C'est pas la crainte de Dieu n'est pas seulement que pour les pasteurs. Tous les enfants de Dieu doivent craindre Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu dois craindre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit craindre Dieu, ce n'est pas le fait de dire, quand on dit Dieu, tu trembles. Mais sa parole, ce qu'il a dit, est-ce que tu suis ça? C'est là où on dit non, tu crains Dieu. Alléluia. Donc marchons selon la parole de Dieu et craignons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit, c'est de l'accepter lui et toute sa parole. Parce que lui, il est sa parole. Tu ne peux pas dire, j'ai accepté Jésus, et puis ce qu'il a dit, tu n'as pas accepté. C'est que tu ne l'as pas encore accepté. Alléluia. Donc, acceptons Jésus-Christ Nazareth. Que retenir? Nous devons retenir premièrement que, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est ça que je disais tout à l'heure, Romains 10, verset 9. Nous devons retenir que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Romains 10, verset 9. Si nous croyons véritablement en Jésus-Christ et que nous repentons sincèrement, je dis bien sincèrement, alléluia, sincèrement, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Alléluia. Donc si tu n'es pas encore détourné, tout ce que tu fais à l'église, c'est cadeau. Donc il faut accepter Jésus-Christ véritablement et te détourner de tes mauvaises voies. Alléluia. Donc si nous croyons véritablement en Jésus-Christ et que nous repentons sincèrement, nous avons la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Et de la mort, nous passons directement à la vie éternelle. Et de la mort, nous passons à la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous nous repentons sincèrement de la mort, il n'y a plus de jugement pour nous, nous passons directement à la vie éternelle. Parce que c'est nous-mêmes à juger le peuple, à juger les nations. Les rambas que tu as hier, ton voisin, et puis tu as en enfer là. Tu as réglé ça ce jour-là. Alléluia. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Notons bien, NB, aussi que nous devons savoir que Jésus-Christ reviendra. Il est mort, c'est vrai. Il est ressuscité, c'est vrai.
Si nous croyons en lui, si nous nous repentons, nous devons savoir aussi que Jésus-Christ de Nazareth, il va revenir. Alléluia. D'autant plus pour faire ça, comme quand ils veulent parler, dit, oh, toi, ton, quand tu dis je reviens, dis toi, tu es devenu Jésus ou bien. C'est-à-dire, ils ne croient pas véritablement à ça. Alléluia. Donc, nous devons retenir aussi que Jésus reviendra pour chercher ceux et celles qui l'appartiennent. Si tu n'es pas en Jésus, quand il va venir, quand il va faire, tu vas entendre, tu ne vas pas partir. Tu ne vas même pas entendre même. T'as essayé de dire, tu vas entendre même là. Il dit, tu ne vas même pas entendre quelque chose même. C'est ceux qui ont cru en lui qui vont entendre la trompette. Alléluia. Donc, Jésus-Christ reviendra pour chercher ceux et celles qui l'appartiennent. Acte 2, verset 20. Acte 2, verset 20. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 et 17. On va lire ce passage. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Bien aimés frères, ce passage que nous allons lire, franchement, moi avant je n'étais pas chrétien. Je faisais mes recherches pour savoir quel chemin je dois choisir. Si je dois être musulman, si je dois être chrétien, ou bien si je dois être un athée. Alléluia. Donc moi, je faisais mes recherches. Et parmi ce qui me poussait à aller faire mes recherches, d'abord, c'était le salut de mon âme. Bien vrai que je n'étais pas encore converti, mais je savais que Dieu existait. Je savais aussi qu'il y a le paradis qui existe. Mais si Dieu existe et que le paradis et l'enfer existent, comment moi je dois faire pour aller au paradis? Moi, c'était là ma première question. Alléluia. C'est la question là moi où je me posais. Et donc, du coup, je ne voulais pas me lever pour aller prier à quelque part comme ça. Parce que non, on voit tout le monde apporter bout blanc. Moi aussi, elle me met en bout blanc. Les gens, ils sont trop jolis. Il est parti m'asseoir pour aller prier là-bas. C'est pas pareil. Dimanche, il y a des gens qui se sapent. Moi aussi, elle me sapait pour venir à l'église. Alléluia. Donc, moi, je cherchais. Je cherchais. Je cherchais, je cherchais. Mais parmi tout ce que, dans tout ce que je cherchais, le Seigneur m'a fait grâce de connaître certains versets. Alléluia. Et parmi les versets qui ont fait que moi j'ai été véritablement converti, ce verset-là, ce passage-là en fait partie. Alléluia. Parce que c'est un verset qui nous promet beaucoup de choses. Donc si quelqu'un peut se lever et lire ce passage à haute voix pour que tout le monde l'entende, 1 Thessaloniciens 4, du verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous devancerons. Par ceux qui nous sont morts. Nous ne devancerons pas. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. On continue? Jusqu'au verset 17. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore puissamment cette parole. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. Pam, 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 pam. Alléluia. La trompette va sonner. Et ce jour-là, bien-aimé, ça sera un jour terrible. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui n'ont pas accepté de se repentir, ceux qui disaient, vous êtes les poussemans. Ceux qui disaient, quoi, voilà.
pam 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 pam. Alléluia. Ce jour-là, on dit l'avènement du Seigneur. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais bien-aimés, soyons prêts. À tout moment, le Seigneur peut venir. Il dit, si le voleur, le jour qu'il va venir voler dans ta maison, s'il te prévenait, tu as prêté machette, fusil pour l'atteindre. De la manière qu'il ne te prévient pas. Et puis, un coup, il vient, le braqueur. Il vient, il met un pistolet sur toi et puis il prend tout ce qu'il y a dedans, il s'en va. Sans prévenir. C'est comme ça qu'il va venir. Les gens seront dans la joie, dans la perversité, l'alcool, la drogue. Ils vont dire, Jésus, mais on ne fait rien, lui. L'antéchrist va se manifester puissamment en ce moment. Et Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que son armée est terrible. Quand il va descendre, tout œil le verra. Parce que il... Acte, on revient. Acte 1. Rapidement. Acte 1, le verset 11. Voilà. Ça, quand Jésus, quand les pierres étaient en train de chercher le Seigneur Jésus, voilà ce que l'ange a dit. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous en regardant au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Qui a été enlevé du ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est de la même manière que les disciples ont vu. Il est en train de monter. Ben, ils ont vu le Seigneur Jésus. Quand il a fini de causer, il a donné des consignes. Il est monté devant eux. Et quand il est monté, ils sont là, ils sont bloqués comme ça. On dirait des statuettes. Alléluia. Donc, le Seigneur, il a vu qu'ils sont arrêtés en train de regarder, en train de chercher s'il va descendre. Il a fait descendre un ange. Il dit, vous, pourquoi vous arrêtez en train de regarder comme ça? Allez-y, ce qu'il a dit, allez-y faire. De la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de cette même manière que vous allez le voir descendre. Il dit, tout œil le verra. Tout œil. C'est en ce jour-là, ils vont savoir que Jésus-Christ, il est Seigneur. Des gens vont se lamenter. Parce que, faut imaginer qu'il est en train de causer. Elle, M. Akaï. Et puis, boum, tu vois, il a disparu. Ils sont partis, lui. Donc, ce jour-là. Mais, il y a des gens qui essaient de faire des films semblables un peu à ça. Mais Jésus a su. Moi, il sait que ça sera pire. Ben, il y a des personnes, ils vont voir le mur, non? Ils vont payer ses portes. Ils vont vouloir sortir là-bas. T'as un gars, il tombe, il est l'autre côté là-bas. Alléluia. Et ce jour-là, moi, je l'attends. La promesse que Jésus nous a faite en ce moment, moi, c'est en ça que j'ai cru. Parce que tu ne vas pas avoir une religion qui nous promet comme ça le paradis, le salut, si ce n'est pas Jésus-Christ Nazareth. Il nous a donné le casque du salut. Quand il pose sur toi, il dit c'est l'Esprit de Dieu mais qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, là où Dieu est, c'est là que tu es. Ton papa est un roi. Tu vas vivre dans le royaume. Alléluia. Tu vas vivre dans le paradis de Dieu. Donc croyons en Jésus. Nous avons choisi la bonne part. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Ce sera là mon dernier verset. Acclamons encore puissamment pour le message de ce jour. Alléluia. On va se tenir debout. Et ensemble, on va prier. On va combattre. Ensemble. Si les chants peuvent me donner un cantique de combat spirituel. Un cantique de combat spirituel pour faire trembler la terre. Les démons même vont fuir tout à l'heure. Bien-aimé, attache ta ceinture. Parce que tu ne peux pas être en train de combattre un démon et puis tu es là, tu es assis comme ça. Satan sort. Satan sort. Satan sort. Il va dire, hé, hé. Il va te garantir toi-même. Donc quand on te prie, il faut prier avec vie. Alléluia. Il règne, il règne, les démons tremblent. Tu n'as pas à t'inquiéter, oh Jésus, règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. N'aie pas peur de sorcier, oh Jésus, règne, les démons tremblent. Il règne, mon roi règne, Jésus.
Jésus-Christ règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, la grande ta paix règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne. Il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. N'aie pas peur de son ciel, Jésus règne, les démons tremblent. N'aie pas peur des marabouts, Jésus règne, les démons tremblent. Mon roi règne, Jésus-Christ règne. Jésus règne, la grande ta paix règne. Jésus règne, le roi des rois règne. Elohim règne. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas le combattre ton adversaire, les bras ballants. Alléluia. Parce que si tu t'en vas, que lui, il a lance-pierre. Même si tu as 100 mètres, que toi tu n'as rien, tu n'as pas de bouclier, quand il va le lapider, il va te tuer. Alléluia. Donc on va aussi réclamer les âmes spirituelles pour aller combattre l'ennemi, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus, réclame toutes les âmes spirituelles que tu connais. Jésus-Christ Nazareth, je réclame maintenant le casque du salut. Je réclame le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture et les ailes de l'évangile pour chaussures. Je réclame la foudre, le tonnerre, le tremblement des terres pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse la forteresse de Satan par le pouvoir du nom de Jésus. Je réclame maintenant la lune, le soleil, je réclame les éclairs, j'appelle le lion de la tribu de Juda, je réclame la terre, je réclame le sang de Jésus-Christ Nazareth, pour renverser toute œuvre de ténèbres, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je réclame maintenant à l'archange Michel et toute son armée, maintenant venu combattre de leur côté, au nom de Jésus. J'appelle les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, maintenant même, de nous assister dans ce temps de combat, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, le nom, le puissant nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, fais tomber Satan, le nom de Adonai, fais tomber Satan, le nom, le glorieux nom, le nom de Jésus, le nom, le puissant nom, le nom de Jésus-Christ, fais tomber Satan, le nom de Jésus-Christ, fais tomber Satan, le nom, le nom, le nom de Jésus, le nom, le glorieux nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, fais tomber Satan, le nom de Adonai, fais tomber Satan. Amen. Bien-aimé, tu vas imposer ta main sur ton cœur et relâcher le sang de Jésus dans ce cœur pour détruire toute œuvre de ténèbres en toi. Tout ce que le diable a semé dans ton cœur, l'esprit de colère, de haine, de jalousie, tu vas ordonner aux démons guerriers de sortir de ton cœur. Tu vas leur donner de prendre toutes ces semences, tout ce qu'il envoie en toi. Les esprits impurs de sortir de ton cœur, maintenant même, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, que ton sang pénètre mon cœur et détruise maintenant moi, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toute œuvre de ténèbres, par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis maintenant toute foi qui reste de Satan, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi démon guerrier, sors maintenant, lâche presse, lâche presse, lâche presse.
Lâche prise. Nom de Jésus, tu libères ma vie. Tu libères mon âme. Ah, maintenant, au nom de Jésus, sors de mon cœur. De mon guerrier. De ta colère, ta haine, ta jalousie, tes recules. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Tu libères. Au nom de Jésus, je détruis toutes tes œuvres. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le temps est déjà avancé. Bien-aimé, tu vas prier cette fois-ci. Tout esprit qui est en toi, tu vas prendre 2 minutes. Tu connais, si tu mens beaucoup, c'est l'esprit le piton. Tu vas combattre l'esprit le piton. Si tu couches avec une femme, un homme dans la nuit, pendant que tu dors, c'est l'esprit des autres qui fait ça. Tu vas prier et combattre tout esprit impur en toi. Tu vas dire à Dieu, si c'est un défaut, tu vas dire esprit de temps. C'est-à-dire, tu dis le nom. Précède esprit de comment on appelle de ton défaut, c'est-à-dire quoi? Si il ment beaucoup, esprit de mensonge, alléluia, tu vas combattre cela au nom puissant de Jésus. Tu bats les mains, tu bats les pieds et tu détruis maintenant tous les yeux des ténèbres en toi au nom de Jésus. Père éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, dans ton sang je me tiens. Je baisse maintenant sur ma vie, sur la vie de ton peuple. Je chasse dans ce lieu tout esprit de piton, de dragon. Nom de Jésus, nom de Jésus, par nom de Jésus, par nom de Jésus, par nom de Jésus. Esprit, 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 humain de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je détourne tes œufs, je détourne tes œufs. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Sauve-t'en, 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 sauve-t'en. Ah, nom de Jésus, je détruis tes fondements. Esprit, esprit, les eaux, esprit, les eaux. J'assèche tes eaux maintenant. J'assèche tes eaux, j'assèche tes eaux, Mami Wata. Là où tu vis, j'ordonne à l'âme la sécheresse. Va sécher toutes les eaux. J'ordonne à la terre d'absorber tout droit où tu vis. Au nom de Jésus, esprit, les eaux, sors de ce lieu. Esprit, les eaux, sors maintenant. Toute forme de dragon, sois condamné. J'envoie maintenant le sang de l'agneau. Retiens ta langue de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je tiens ta langue de feu. Je tiens ta langue de feu par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Esprit, esprit, esprit pur. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je détruis toute espérance en moi par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors, sors, sors. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de Satan, tu libères ma vie maintenant, tu libères mon âme maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, amen. Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Que ton feu Seigneur brûle en moi. Que ton feu Seigneur brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Dans mon foyer, dans mon église, à tous familiaux, dans la Côte d'Ivoire, dans le mystère, brûle, 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 brûle. Tu vas fermer tes yeux, faire l'effort de te tenir debout, ceux qui sont encore assis, et ouvrir tes deux mains simplement, et répéter la prière avec moi. Au nom de Jésus, tu ouvres tes deux mains, tu fermes tes yeux et tu répètes la prière. Seigneur Jésus, dans ton sang, je me tiens, esprit, âme et corps, tout mon être entier, je plonge dans ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réclame la lumière du Saint-Esprit pour éclairer mon âme, éclairer tout mon être entier, afin de faire disparaître toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens en moi et libère-moi. Au nom de Jésus, des esprits de Satan, des esprits démoniaques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est pour
quoi? Je renonce à tout esprit de colère, sors de ma vie, au nom de Jésus, je renonce à toi, démon guerrier, sors de mon cœur, sors de ma vie, au nom de Jésus, esprit de démon guerrier, prends ta haine, tes jalousies, tout ce que tu as semé dans mon cœur, tu les prends, tu sors, au nom de Jésus, esprit de python, sors de ma vie, nom de Jésus, je renonce à toi, esprit de mensonge, au nom de Jésus, je saisis l'épée à tout tranchant, j'arrache ta queue, j'arrache ton cœur, j'arrache ta tête, tu me libères maintenant, python, sois va-t'en, esprit de dragon, de division, de calomnie, maintenant même, je réclame le sang de Jésus pour éteindre ta langue de feu. Au nom de Jésus, j'arrache tes 7 têtes, tes 10 cornes, j'arrache ta queue. Au nom de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, tu libères ma vie, tu libères mon âme. Au nom de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, je détruis toutes tes œuvres en moi. Au nom de Jésus, tu libères ma vie, tu libères mon âme, tu libères mon être entier. Au nom puissant de Jésus, esprit des eaux, Mamiwata est ton nom. Je détruis toutes les semences que tu as mises en moi. Au nom de Jésus, esprit de femme de nuit, de mari de nuit, sors. Notre Jésus, esprit de femme de nuit, de mari de nuit, je renonce à tes œuvres. Au nom de Jésus, j'assèche tes eaux par l'âme de la sécheresse. Au nom de Jésus, tu me libères, esprit des eaux, génie des eaux, prends ta stérilité, prends ton célibat et sors de ma vie, au nom de Jésus, je détruis toutes tes semences en moi, au nom de Jésus, par l'épée de l'esprit, j'arrache la tête de tout enfant que nous avons conçu spirituellement, au nom de Jésus, je détruis tout tes fondements en moi, ta forteresse, au nom de Jésus, je réclame le sang de l'agneau, comme couverture, maintenant même, pour détruire tout ce que le diable a mis en moi, dans mon corps, dans mes pores. Au nom de Jésus, tout médicament qu'ils ont pris pour me laver depuis mon enfance, mais qui agit sur mon âme encore, par le pouvoir du sang de Jésus, je détruis tout, au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Toute œuvre des ténèbres en moi soit détruite. Toute nourriture que j'ai mangée sur la table de la sorcellerie, sur les autels des démons, Je vomis tout. Maintenant même, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Tu ouvres ta bouche, tu expires au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je relâche ton sang dans l'air que tes enfants respirent maintenant même. Que toute œuvre de ténèbres qui régnait encore sur la vie, je détruis tout maintenant. Nom de Jésus, tu libères tes enfants par ton sang, car ta parole déclare qu'ils ont vaincu
à cause de la parole de la témoignage et aussi à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi, Seigneur, ils ont vaincu tout démon, tout esprit des ténèbres qui régnait encore sur la vie par le pouvoir de ton sang qu'ils ont bu maintenant même. Maintenant même, je déclare qu'ils sont libérés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère-les, libère-les, libère-les. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, nom de Jésus. Dispose-toi simplement et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ta parole déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. 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 Pendant que tu appelles l'Esprit de Dieu, il vient maintenant se mouvoir dans ta vie et il te libère. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Viens me libérer. Viens me délivrer. Viens me libérer. Viens me délivrer. Viens me libérer. Viens me délivrer. Au nom de Jésus, cet esprit t'agit maintenant. Tu le fais maintenant. Tu libères tes enfants. Tu libères tes enfants. Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu libères maintenant. Au nom puissant de Jésus. De toutes œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu libères ton peuple. Tu libères tes enfants. Au nom de Jésus. Que tout esprit, l'esprit démoniaque qui régnait encore sur la vie, je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Au nom de Jésus, tu libères maintenant cet esprit. Maintenant même, au nom de Jésus, sans va-t'en. Esprit des ténèbres, esprit des eaux, je détruis maintenant toutes tes œuvres. Au nom de Jésus, que toute semence que tu as mis maintenant en elle, en lui maintenant, je détruis maintenant. Je détruis maintenant, je détruis maintenant, je détruis maintenant toutes ces semences, les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, sans va-t'en, sans va-t'en, sans va-t'en. S'en va-t'en, s'en va-t'en, s'en va-t'en, s'en va-t'en, s'en va-t'en. Je détruis toutes tes œuvres, je détruis toutes tes œuvres, je détruis toutes tes œuvres. Au nom de Jésus, tu libères maintenant ton serviteur, tu libères ta servante, tu la libères maintenant. Au nom de Jésus, sors maintenant, sors vite, 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 sors vite. Tu libères ce monsieur, tu le libères, tu le libères, tu le libères. À l'instant même où je parle, tu le libères cet esprit. Tu le libères maintenant. Tu le libères. 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 Pas vite, nom de Jésus. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Nom de Jésus. Lâche-le. 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 Nom de Jésus. Tu vas sortir maintenant. Tu vas sortir maintenant. Tu sors de sa vie. 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 Tu sors de sa vie, esprit des ténèbres. Lâche, nom de Jésus. Pas vite. Pas vite, nom de Jésus. Je détruis toute œuvre des ténèbres que le diable a semé dans cet homme. Maintenant même, je consume maintenant. Je consume maintenant les œuvres de la sorcellerie. Maintenant, allez, pas vite. Je consume maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, toute œuvre de la sorcellerie qui régnait encore sur sa vie. Pas, nom de Jésus. Pas, nom de Jésus. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Cet esprit, tu le libères. Tu le libères maintenant. 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 Tu le libères. Tu libères cette dame au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus. Tu me libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Jésus, tu libères. Tu libères. Tu la 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 libères. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Maintenant, c'est l'esprit de la libère. Sois vite. Sois vite. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu sors maintenant de sa vie. Tu sors maintenant de sa vie. Tu sors maintenant de sa vie. Tu sors maintenant de son âme. Tout ce que le diable a semé dans ce cœur. Maintenant, les œufs de sorcellerie. Les œufs maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a mis dans ce cœur. Maintenant, tu libères cette âme. Tu libères cette jeune âme. Maintenant même. Parrête. 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 Nom de Jésus. Tu sors maintenant. Par le pouvoir du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Que toutes tes œuvres soient anéanties. Que toutes tes œuvres soient détruites maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tu lâches ta vie maintenant. Nom de Jésus. Cet esprit. Chie maintenant. Manifeste-toi puissant maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu libères maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, tu libères. Tu délivres. 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 Quel tu demandes, tu vas sortir de nous. Maintenant. 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 Maintenant, 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 tu sors maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. Je saisis le pays à d'autres champs. Je transperce ce cœur, 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 je transperce ce cœur. Arrête, arrête, arrête. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes? Solide. Tu libères cet homme, tu la libères, tu vas sortir maintenant. Solide. Ah non, Jésus. Ah non, Jésus. Lâche sa vie. Par le nom de Jésus, tu sors, sors vite, qu'est-ce que tu veux? Elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir. Tu libères sa vie. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Tu sors sa vie, tu sors sa vie, tu sors sa vie. Nom de Jésus. Nom de Jésus, tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant. Libère son âme. Arrête, arrête. Par l'onction de cet esprit, par l'onction de cet esprit, j'arrache la tête du démon, j'arrache la tête du démon. Nom de Jésus, arrête. Nom de Jésus, tu la libères maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. De Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Par le pouvoir du nom de Jésus. Par ton pouvoir que tu as conféré à l'église. Même si je suis à la maison. Même si je suis couché. Que par ton esprit, je sois libéré. Je sois libéré. Je sois libéré. Je sois délivré. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu nous. On acclame encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons encore puissamment le rocher des siècles, celui qui règne pour l'éternité, le Dieu qui délivre, qui opère des miracles, des prodiges, des signes, le Dieu des opérations surnaturelles, le Dieu même qui dépasse l'entendement humain. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va s'asseoir rapidement, prendre les passages de la semaine. Passage à méditer cette semaine. Michée 5. Ésaïe 53. Michée 5, Ésaïe 53, Ésaïe 9. Matthieu 1, Matthieu 2. Joël 3. Joël 2. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, 3 plutôt. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 3. Jean 3. Luc 19, Luc 1. Nombres 24. Nombres 24. Zacharie 9. Zacharie 9. Jean 2. Matthieu 4, Marc 10, Luc 5. Je reprends une dernière fois. Michée 5, Ésaïe 53, Ésaïe 9, Matthieu 1, Matthieu 2, Joël 3, Joël 2, 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 3, Jean 3, Luc 19, Luc 1, Nombre 24, Zacharie 9, Jean 2, Matthieu 4, Marc 10 et Luc 5. Psaume de la semaine. Le psaume 89, on le fait trois fois par jour. Une fois le matin,
une fois midi et une fois le soir. Psaume 89, une fois matin, une fois midi et une fois le soir. Alléluia. Bien-aimé, si tu as prévu aussi une offrande pour le culte de ce jour, tu vas prendre ton offrande, te tenir debout en la levant vers le Seigneur au nom de Jésus. Prends ton offrande et déclare maintenant ces paroles agréables au nom de Jésus-Christ Nazareth sur ton offrande, en envoyant cette offrande en mission au nom de Jésus. Éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, à travers l'offrande que nous t'apportons en ce jour, je proclame maintenant que chaque parole entendue en ce jour soit semée sur la bonne terre et que tu nous donnes l'esprit, Seigneur, pour ne jamais oublier encore cette parole et que nous marchons, Seigneur, dans ta crainte et que nous croyons toujours en toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que tout ce que le diable et ces démons vont essayer de faire, Seigneur, pour enlever cela dans notre cœur, que tout cela soit détruit, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Amen. Tu peux apporter ton offrande. Tambirira Jéhovah, tambirira Jéhovah, tambirira Jéhovah, tambirira, tambirira Jéhovah. Come and sing to the Lord, come and dance to the Lord, come and dance to the Lord, come and dance to the Lord, come and dance. Come, birira Jehovah, come, birira Jehovah. Come and dance to the Lord, 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 come and dance. Tambirira Jehovah, tambirira Jehovah. Alléluia, si tu es venu aussi avec ta dîme, tu vas te tenir debout avec ta dîme. Élève ta dîme et dis avec moi, Jésus-Christ Nazareth, je t'apporte en ce jour le un dixième de mes revenus. Je te prie maintenant que chaque grâce, chaque bénédiction qui est rattachée à la dîme, soit mon partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les dévoreurs, les pieurs, maintenant même, soient tous liés contre mes biens, mes bénéfices, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Cet esprit, tu passes maintenant par ta main puissante et tu saisis le un dixième des revenus de tes enfants en ce jour au nom de Jésus. Tu le fais maintenant pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au nom de Jésus.
Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien aimé, chante Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. Si quelqu'un a envoyé son action de grâce aujourd'hui aussi, tu vas prendre ton offrande d'action de grâce et tu vas venir avec à l'hôtel. Tu prends ton offrande d'action de grâce. Je rappelle à Dieu. Oh, je rappelle à Dieu. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma soeur. Car ils ne peuvent rien changer. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait action de grâce aujourd'hui, c'est pas grave. Le dimanche prochain, voilà, chacun peut envoyer aussi. Ceux qui n'ont pas pu faire ça aujourd'hui peuvent venir avec les actions de grâce le dimanche prochain. Amen. Tu tiens ton offrande dans tes deux mains comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à travers l'action de grâce que je t'apporte en ce jour, je viens honorer ta parole qui dit de venir avec de la nourriture dans ta maison, afin que cela ne manque point dans ta maison. Père, je te prie maintenant de m'accorder la faveur, la grâce, avec deux portions, des bénéfices qui sont rattachés, des grâces, des bénédictions qui sont rattachées à cette offrande d'action, de grâce, maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu passes maintenant par ton esprit pour saisir cette offrande d'action de grâce que tes enfants t'ont apportée et obéir à ta parole. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Tu peux te poser. La marche avec toi. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des fessées. À Canaan, pourvu que j'arrive. Oh, Canaan, que j'arrive. Amen, amen, amen. Ok, on va se tenir debout, tous, ensemble. On dit merci à Dieu pour... Ah ok, nouvelle personne. C'est ta première fois de faire le culte avec nous. C'est ta première fois de faire un dimanche avec nous. Si tu n'as jamais fait le dimanche avec nous, que c'est ta première fois de participer à un culte avec nous, est-ce que c'est la première fois que tu fasses le culte avec nous un dimanche? Maman, bonne arrivée. Ici, c'est l'église Christ Family Ministries. Vous êtes déjà venus ici, donc ils n'ont pas compris. Mais ce n'était pas un dimanche. Donc comme ils vous ont vu, ils pensaient que c'est un dimanche. Amen. Donc tu vas ouvrir tes deux mains simplement. Ouvre tes deux mains simplement, je prie pour vous. Ok. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ Nazareth,
Je bénis ton Saint-Nom pour ta servante que tu as conduit encore en ce lieu. Père, tu as dit, personne ne peut venir à toi si tu ne l'as appelé. C'est toi qui l'as conduit en ce moment. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que cette grâce même soit aussi en sa faveur et que tout ce qu'elle est venue chercher en ce lieu, Père éternel, mon Dieu, que tu lui accordes maintenant selon tes desseins au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'agir puissamment dans sa vie et que toute œuvre des ténèbres contre sa vie soit détruite, annulée par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maman, ça va un peu, non? Ok, c'est l'église Christ Family Ministries. Voilà, donc tout à l'heure, quand vous allez finir, on va vous offrir une sucrerie et aussi un petit truc aussi pour manger. Voilà, donc asseyez-vous dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Bon, tous, on se tient debout. On va finir la prière. On se couvre par le sang de Jésus en disant merci à Dieu au nom de Jésus. Éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, je me couvre par ton sang. Ainsi, je demeure invisible, inaccessible à Satan et aux œuvres des ténèbres. Seigneur, que tout ce qui est œuvre des ténèbres, le retour des démons soit nul et sans effet sur ma vie personnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Père parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir tes deux mains. Et on va prier pour la semaine. Dis, Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton nom, je déclare que je suis béni, que je suis une source de bénédiction et que même les nations de la terre m'envient au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur au nom de Jésus. Je bénis, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir en ma faveur, que tout ce que le diable va essayer de faire contre moi durant cette semaine, que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que tous ceux qui vont tenter de me joindre, que le réseau soit défectueux au nom de Jésus, qu'ils n'arrivent pas à m'appeler au nom de Jésus. Mais ceux que tu as destinés dans ma vie, pour m'appeler, pour me bénir, maintenant même, que le réseau soit favorable au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas prendre la main de ton frère, de ta soeur, on va faire des petits secs, on va faire le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Cette semaine encore, on va prier pour les chrétiens et aussi les chrétiennes. Alléluia. Actuellement, le diable ne joue pas et il a lever ses agents aussi pour attaquer les hommes de Dieu, pour attaquer les chrétiens. Ce n'est pas seulement que les hommes de Dieu. Parce que même si tu es chrétien, qu'aujourd'hui tu as décidé de te lever pour aller dire une vérité et qu'une personne se dit que non, elle est trop aisée dans le pays, ou bien elle se dit que bon, moi, j'ai tout ce qu'il faut. La personne va essayer de te mettre la main dessus. Parce que ce que tu as dit, ça ne l'arrange pas. À lui, hein. Donc, et aussi, quand tu vois dans certaines religions, toi-même, il faut voir. On dit, toi-même, tu es le chef de tous les chrétiens de la terre. Alléluia. Et puis toi, tu viens voter une loi où on dit, deux garçons peuvent se marier. Deux femmes peuvent se marier. Quand toi-même, tu essaies d'analyser ce genre de choses, est-ce que c'est une bonne chose? Alléluia. Quand Jésus a confié l'église à Pierre, ce n'était pas ainsi. Il y a des personnes qui essaient de détourner la parole de Dieu et d'envoyer aussi ce qu'on appelle, les œuvres de l'antéchrist. Moi, je le dis, haut et fort. Cette histoire de pape là, moi je ne crois pas que c'est Dieu. Alléluia. Moi je dis ça.
Bah, le diable, moi, je n'ai pas peur de le dénoncer. Peu importe ce qui arrive. En fait, quand tu as une personne, et puis tu sais que la vie que tu as, tu ne l'avais pas avant. Mais c'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Tu sais que ta vie n'appartient seulement qu'à lui. Tout ce que tu vas dire, pour le plaire, tu vas dire ça. Amen. Tout ce que tu vas lui dire, pour qu'il soit content, tu vas dire ça. Même s'il te dit quelque chose de divorcement, tu vas dire à lui. Hein. C'est pourquoi moi je parle. Parce que la dernière fois, sérieux, moi souvent, même mon grand frère m'envoie un message. Il m'envoie un message hier sur WhatsApp et puis il me dit, petit, évite tes vidéos sur les réseaux sociaux. Faut faire attention. Pays est bizarre. À lui, hein. Donc ça veut dire que tout le monde sait que Pays est bizarre, mais personne ne veut oser lever la voix pour parler. Mais il y a un chante mondain, un artiste mondain qui a dit, dans un pays, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir, ça devient la dictature. C'est vraiment moi, hein? C'est Alpha Blondy qui a dit ça. Donc, il ne faut pas te le demander. Alléluia. Où moi je suis là, ma vie dépend de Jésus. Donc, peu importe ce que tu veux faire, ça c'est toi. Tu as le pouvoir sur la terre. Moi, j'ai le pouvoir dans le ciel. Il dit, à quoi ça sert d'avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais l'âme qui est là, ne peut rien faire. Lui qui peut tuer mon corps et puis mon âme, c'est de lui moi j'ai peur. Alléluia. Donc, ayons la crainte de Dieu. Quand vous attrapez un prophète et puis vous dites qu'il a donné une fausse information, peut-être que vous pouvez juste, comment on appelle, l'interpeller pour dire, ah, l'information que tu as donnée, c'est faux. Maintenant, à lui de venir maintenant encore, vous venez parler. Mais est-ce qu'on a le droit de partir garder quelqu'un, on dit un leader, il y a des choses qu'il dirige dans le pays. Et puis, tu peux, tu dois le bloquer quelque part. À lui, bien-aimé, quand tu parles, on dit non, lui là, on doit le tuer, on doit le mettre en prison. On doit faire telle ou telle chose. Nous, notre destinée, c'est la persécution. Mais nous, c'est notre pommade. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Même si tu veux, aujourd'hui, il faut dire, lui l'ancien, on a attrapé le lion. On dirait le lionceau s'est levé. Moi, il m'en fout. Bien-aimé, quand tu mets le lion en cage, et puis tu penses que c'est les lionceaux qui sont en train de les faire du mal, tu es en train de les forger. Alléluia. Et ces lionceaux, quand ils deviennent dangereux, la forêt même tremble. Alléluia. Donc, souvent le diable pense qu'il est en train de nous faire du mal. Mais il ne sait pas que non. Il est en train de te former. Il est en train de te former sans s'en rendre compte. Faisons très attention. La bouchette d'allumette que tu vois, quand elle est dans sa boîte, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose. Mais il faut essayer de l'allumer, tu jettes à quelque part. Ça peut embraser un pays. Ça peut finir avec une forêt. Alléluia. Faisons attention. Quand tu parles de la part de Dieu, une fois que quelqu'un parle, et puis dit, Dieu m'a dit, Dieu dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'analyser, de retenir ce qui est bon. Alléluia. Quand ils ont attrapé Jérémie, le roi, pareil, Jérémie disait la vérité au roi. Et ce qu'il disait, c'est parce que ça n'arrangeait pas le roi. Il l'a attrapé, il l'a mis en prison. Mais qu'est-ce que Dieu a fait quand il lit Jérémie 38 et 39? C'est jusqu'à ce que le roi parte. Dieu est venu le frapper. Mais moi, je sais que il y a les magiciens qui sont toujours auprès de Pharaon que le blague. Alléluia. Moi, là, moi, je n'ai rien à voir. Souvent, Koulibaly, on dit, c'est lui qui est monté ici, c'est Koulibaly, non? Moi, je n'ai rien contre lui, personnellement. Tu sais pourquoi? Dame qui est là, quand tu es en train de jouer, là, il y a les pions. Pions, là, ça ne dépend pas de lui. Où tu le places, là, c'est là-bas, il joue. Alléluia. D'ici, il va s'en rendre compte, peut-être quelqu'un l'a bouffé déjà. Donc, nous savons que dans l'armée, quand on t'envoie ton autorité, ton supérieur, tu n'as pas le droit de dire. Donc, moi là, moi je n'ai pas affaire à lui-même. Moi je me dis que c'est ceux qui l'envoient. Même cette affaire-là, on dit que le commissaire a peur de parler dedans. Même officier a peur de parler dedans. Et quand tu demandes, on dit c'est en haut, en haut. Mais en haut, là, qui est là-bas? Homme frère, toi qui es en haut, pardon, hein, peut-être après aussi tu vas dire. Lui, l'ancien a fermé sa bouche. Mais moi, Capri, moi, on n'a pas peur de Vito. On s'en fout. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé. Quand? Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'attrape pas un prophète pour le mettre en prison parce que ce qu'il dit, ça ne m'arrange pas. On ne peut pas ça. Bien-aimé, quand tu combats ce qui est de Dieu, quand tu combats un serviteur de Dieu, ce n'est pas lui que tu combats, c'est Dieu que tu es en train de combattre. Alléluia. On dit tiens, wow, wow. Vous vous rappelez, non, cette histoire d'Arafat aussi. Qui a suivi un peu la vidéo? Lui qui gardait ses cueils là, lui qui gardait le corps d'Arafat qui le lavait là, quand on appelait monsieur Doumbia là, c'est pas même parole, il a dit que l'autre vient d'en haut, faut pas en le laisser. Mais qui est en haut là-bas même? Frère, toi tu es en haut. Pardon, hein, quand tu soulèves ta tête et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui est en haut de toi, faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi aussi. Alléluia. Un aigle, l'oiseau, il va voler pour aller, mais il y aura toujours quelque chose qui est en haut. Il va forcément pas descendre. Parce que quand il aura faim là, il va chercher sa nourriture. Alléluia. Donc, moi je ne dis rien. C'est pas dans le but de me faire voir, ou bien dans le but, non, d'attaquer une personne quelconque. Mais je suis en train de dire ce qui n'est pas normal, quoi. On a fini de prier. Moi, ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est ma vie et je suis en train de mettre en danger. Ben, il a dit, ben, il est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Donc, sujet de la semaine, je vais donner tout à l'heure. On va prier. Tu mets ta main droite sur ton cœur. Alléluia. C'est pas seulement que les autorités, hein, même il y a des guides religieux, les antéchrist là. Cette affaire du pape là, moi personnellement, moi je pense que c'est l'ombre de l'antéchrist qui se manifeste sur la terre. Alléluia. Comme on dit, faut imaginer si Pierre était dans un fauteuil roulant et puis il dit Jésus guérit. Lui-même que Jésus a confié. Toi, tu es en fauteuil roulant. Toi-même, il faut voir. C'est quelle église? Toi-même. Alléluia. Bon, on va prier, on va partir. Alléluia. La main sur le cœur, tu vas prier. Que l'Éternel, notre Dieu, amplifie son zèle chez tous les chrétiens et chrétiennes en annulant tout projet malsain contre ces églises dans le monde au nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un a compris? Que Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, amplifie son zèle. C'est-à-dire, même si on te persécute là, que le zèle n'a qu'à augmenter en toi. Alléluia. Chez tous les chrétiens et les chrétiennes, en annulant tout projet malsain contre les églises dans le monde au nom suprême de Jésus. Les mains sur le cœur, on prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te prie maintenant. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. C'est pourquoi je te prie maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth, d'amplifier ton onction à tous tes appelés, Seigneur, tous ceux qui sont appelés selon ton dessein, d'augmenter en eux ton zèle, Père éternel Dieu, tel qu'il n'y en ait jamais eu sur la terre, afin que des personnes même soient converties à toi, que ce zèle même s'amplifie encore au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, que tout ce qui est œuvre des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui annule par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth tout projet malsain contre les églises dans le monde entier au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Les mains ouvertes, on fait le psaume 23 et on va rentrer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de vote. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel qu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que chacun rentre en paix chez lui et que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus.